Bonjour, j'en ai terminé de commencer l'épisode, je vais parler d'un don de lapine marron. Kaiser, tasse-toi s'il te plaît. S'il te plaît, sois gentil pour une fois. J'ai des clés en émeraude maintenant. Quatre clés en émeraude. Damn, boys, damn. Avec quand tu vas pouvoir vous faire un petit unboxing tout de suite après. Ça doit être mon ami Kebab de l'internet qui me give, comme d'habitude les amis. Vous faites la commande slash give Kebab au petit clan diamant. Allez, c'est parfait. Donc merci pour l'armure mon ami. Ça fait plaisir. Je vais pouvoir l'enchanter plus tard. Donc, on va débuter aujourd'hui l'épisode numéro 6, je crois. On va débuter par les clés en... une clé en émeraude. Et on va ouvrir 10 clés, petites clés. Donc, oh! Oh, yes! Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est super bon, les gars, parce que, justement, on a besoin de creeper. Donc, c'est extrêmement bon. On va juste vider nos potions ici pour le temps de la vidéo Minecraftienne et HD Fun. Donc, on va ouvrir les 10 clés. On va terminer par les autres. Donc, faudrait espérer pour un full P4 ou de la TNT. J'aurais préféré les œufs de creep. Franchement, mais c'est pas grave, les choses, c'est les choses qui arrivent, les amis. En espérant que la série sur Epsilon MC vous fait plaisir autant que moi, elle me fait plaisir. Descendre de chest, ça c'est bon actuellement parce que ça fait de l'obsidienne en les cassant, ça donne de l'obsidienne. Donc, on va drop un peu de stuff au spawn après. Donc là, j'aimerais vraiment savoir les œufs. Ah, 6 diamants. C'est pas grave, les amis. C'est des choses qui arrivent. J'adore l'animation de ce truc. Off the grip. Oh non, piège enchanté. Je pense qu'il est efficacité 3 en plus, je pense. Ouais, c'est pas très très bon. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc là, s'il te plaît, des. Oh, je pense qu'on va avoir des under chests, les gars. Même pas 6 diamants. Damn! Let's go, boys. SVP. Full pick. Fucking 6 diamants. Damn! Qui veut prendre un screen, toi? Tiens, prends un screen avec moi. Je t'aime, Chris. On écrit Chris comme ça, mais c'est pas grave. Je te donne une chance. Tu es pardonné. Donc voilà. Fucking. Non. Non. Non! Pourquoi je suis pas chanceux? Ok, j'ai. Vraiment, là? Vraiment, c'est ce diamant? Vraiment? Attends, je pense que si on clique sur la caisse. Attends, c'est comment? Ouais, on peut voir une chance de gagner un spawner golem, deux chances de... Oh, ouais, dans le fond, on n'est vraiment pas été chanceux. On n'a pas été chanceux du tout, en fait, depuis le début. On a juste eu vraiment de la merde. Ah, là, 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 là. En espérant que... Même pas... God, c'est tabarnak. Je dois aller me suicider, c'est bon. J'étais à deux doigts de le faire. Désolé, okay, please. Non, faut que tu me donnes un full P2. Esti de Christ de tabarnak. Tenez. Abonnez fidèle. Prenez ça le temps que j'ai ouvert les trois autres clés, esti. N'ayons pas le choix de me donner quelque chose de bon. Si j'ai un perdu, je te jure, je me suicide. Hein. Ah, ok. 4 blocs de diamants, comme toujours. C'est tout. C'est quoi qu'on peut avoir dans cette esti de caisse-là? L'item légendaire. Oh, imaginez, on ouvre un item légendaire. Gas 1%, 5%, 8%, 14%, 15%, 20%, 27% et 10%. Donc, fuck, let's go. Oui. Yes, sir. Yes, sir, les amis. Un full P4. Allez, et la dernière clé. Let's go pour l'item légendaire SVP. Bien sûr, on aura 4 blocs de fucking diamants. Sur ce, gens de l'internet, merci beaucoup. On va se retrouver pour un petit coffre caché. En fait, je vais même le cacher au début de l'épisode, comme ça vous n'aurez pas à avoir de merde ou quoi que ce soit à regarder. Je vais vous mettre le full P4 que j'ai gagné, sauf les chambières, parce que j'ai pas de full P4 moi-même. Et je vais mettre une Sharpness 3, je vais mettre de l'obsidienne, et puis les œufs de creep, j'en ai besoin pour, comme vous avez compris, mes pillages, etc. On a besoin d'une clé de téléportation. On va mettre... des diamants et une pomme cheat, tiens.
Des hoopers. Et puis voilà, je pense que c'est bon. On va mettre cette pioche-là. Et puis on va utiliser la téléportation aléatoire. Je te fais un coffre et puis je vous reprends tout de suite après pour vous donner les coordonnées. Ah oui, aussi, dernier truc aussi. Ils ont rajouté les kites. Donc voilà. Vous commencez la quête Stone Mini 20 Stone. Donc on va directement utiliser la clé. Voilà. Hop là. Ok, vraiment super point de spawn. Kebab, t'as géré ton serveur magnifique. Donc, attendez, on va s'éloigner par là. En espérant qu'on trouve la surface, qu'on mine 20 stones et qu'on termine. On converse le coffre caché en fait. A tout de suite. Donc, je suis rendu sur la surface. En fait, là, il faut miner 20 stones. Donc, normalement, après avoir miné 20 stones, ça devrait dire félicitations et compte. Vous êtes un génie, blablabla, blablabla. J'ai un big don. TP toi. Ah non, faut pas qu'il se TP. Oh fuck. Ok, ben on va faire le coffre caché, mais on va attendre après. Et là, vient de finir le quête Âge de Pierre et j'ai gagné 100$. Je suis très très doux. On va faire genre qu'on est en train de rien faire ici, bien sûr. Et on va ensuite. Oh, bon, il est là, notre ami. Donc, tac, tac. Il nous a donné une pomme abonné fidèle. Je t'aime, bébé. Bisous. Signé la Frozen. Merci. Ça fait plaisir. Je vais remonter avec de la stone. Et on se retrouve plus tard pour un coffre caché. Adios, amigos. Ben, dans le fond, j'ai trouvé que j'ai décidé que c'était pas un bon biome. Fait que je me suis dit qu'on allait le faire ici. C'est beaucoup mieux. Puis on est beaucoup plus proche du spawn. Puis en plus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va cacher le coffre dans la lave juste ici. Donc attendez. Voilà. Ok, c'est bon. Fait qu'on va mettre le full P4 ici. Est-ce qu'on peut... c'est vrai, les bots sont pas comme ça. Mais est-ce qu'on peut slash fix sol? Yep. Donc, voilà. On va faire ceci comme cela. On va mettre la pump cheat au milieu. On va mettre 32-32. On va ensuite déposer la sharpness 3 ici. On va aussi déposer la sharpness 3. Tiens, on va mettre deux sharpness 3. On va mettre 16, 16 et 16, voilà. Et on va mettre le tour comme ça en diamant. Tac, tac. On va mettre deux trucs comme ça. Et puis, en fait, on va pas faire ça. On va faire ça. Boum, boum. Et on va se libérer 4 cases. Et on va faire nos kits et essayer de mettre du bon stuff. Je vais essayer de trouver des idées, les amis. Je vous retrouve. Ok, donc voilà. J'ai changé pour du diamant tour P4, sauf les pantalons. Et j'ai décidé de mettre 16, 16, 16, voilà. Deux pump cheats, l'obsidienne. Et l'arc puncher dans le milieu. Mais on va pourrait faire un arc puncher, mais j'ai juste pas de niveau, là. Fait que genre, ouais, au pire des pires, qu'est-ce que je pourrais faire? Au pire des pires, j'ai bien dit au pire des pires, faire ça pour que la personne puisse avoir un puncher et mettre tous les diamants qui me restent au milieu ici. Qui fait un total de 16, 20, 24 diamants. Donc voilà. On va regarder les pommes de l'abonné fidèle. Et puis voilà, les amis. So, les coordonnées du coffre sont moins 2000. Ben, vous voyez les coordonnées en ce moment, quoi. Je vous invite à venir chercher le coffre qui est juste ici caché sous la lave, donc il devrait pas se faire repérer par les X-rayeurs, en espérant que cela vous fasse plaisir, genre de... Oh, il y a un village là, les gars, il y a un village juste là et il est pas exploré, je crois. On va aller explorer ça tout de suite. Ah ouais, je pense qu'il est exploré parce que peut-être pas. Oh oh oh, ah, oh, il est exploré, il y a de la cobblestone et tout. Zut alors. Zut alors. Ça se trouve, il a peut-être pas pris les trucs dans le... dans la forge. Et non, il les a pris. Bon, ben, rip nous. On va continuer à s'éloigner, les amis, pour faire une base. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Nouvelle séquence, plutôt. Ouais, enfin, bon, vous avez compris. Ciao. What the fuck. Les gars, comment allez-vous sur aussi pour une nouvelle vidéo sur Epsilon MC, genre l'Internet. Aujourd'hui, les amis, truc de malade. Il y a Rage In qui m'a téléporté dans ce truc. À ce qui paraît, il y a pas mal de pig zombies. Donc, on va aller voir, faire une petite visite en dessous. What the fuck. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ok. Ok, les amis. Il a dévalisé la boutique, en fait. Donc, soit c'est un black et il l'a volé, soit il l'a... ben, soit qu'il l'a payé, quoi. Bon, donc, il m'a dit que je pouvais s'étendre ici. Donc, on va genre s'étendre, genre ici, à la table enchante. On va s'étendre Pig Zombie. Et on va se TP à Bob. Message Bob. Ok, il se fait encore kick. Il se fait tout le temps kick parce que c'est un joueur pas très charlie, ce joueur-là.
Donc, je vous reprends après, les amis. Bonjour, on se reprend pour un nouveau don de Hugo 8. Donc, il nous donne du diamant, 10 diamants. Merci, mon copain Hugo. Merci. T'inquiète, ça fait super plaisir. Avant que les gens disent, c'est quel texture pack que tu utilises. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Arios 17 qui est pack HEF. Vous pouvez, quand vous allez télécharger, les gars, si vous allez sur la chaîne de Arios, vous allez avoir. Les trois, en gros, vous allez avoir le Adios B, DBZ et le FPS, mais moi, je vais avec le HF, je trouve que c'est le plus beau. Donc, je commence, j'ai rien. Ok, ben tiens. Prends ça alors. C'est un petit cadeau. On va se taper aux gens, prendre des dons aujourd'hui. J'ai pas fait vraiment d'épisode dons sur ce serveur-là. En vrai, les gars, hein, si on regarde tous les épisodes, tous les trucs que j'ai fait, j'ai jamais fait d'épisode où ce que j'ai des dons ou quoi que ce soit. Il veut me tuer? C'est en Warzone, ça? Non, ok. Holy fuck, what? Ok, je pense qu'il extrait, mesdames et messieurs. Je suis sûr à 125% qu'il extrait. Ok, c'est bon, il extrait, mesdames et messieurs. Il est maintenant slash banni. Ok, bon. Je savais qu'il allait avoir un puceau qui allait venir et me voler tout un jour. C'était question de temps. What the fuck? Ok, je suis full, les gars. Je suis full. Full. XD. Ok, aussi, j'ai acheté. Genre, ils ont rajouté des kites, ça, le truc là. Genre, mini 1 de diamant, etc. Fait que là, genre, on va aller poser un bloc de diamant, puis on va pouvoir sûrement l'avoir. Donc, attendez. J'ai pas vraiment de. Ah oui, pig zombie. Ben, j'ai la femme où ce que le gars m'a TP tout à l'heure. Je vais peut-être pouvoir mettre des coffres là pour l'instant. C'est le touch. Ouh, ça c'est une bonne pioche. On va mettre ça là, puis on va... voilà, on a fini la quête de miner un diamant. J'ai gagné 100$, mesdames et messieurs. 100 motherfucking dollars. On va voir le balletop, il est rendu où? Ils sont rendus à combien les premiers? Ah ouais, ils sont rendus quand même avec... 50 000, puis tout. Ouais, le serveur a quand même une bonne économie stable, hein, quand même. Il n'y a pas des gens trop riches, etc. Donc, c'est quand même pas si mal. Ensuite, il y a pas mal de... Gold à faire cuire, ça à miner avec une fortune, mais j'ai pas de fortune, je pense pas. Je vais demander à lui, message rage, tu as une fortune 3. Juste vite fait, peut-être qu'il y en a une, on pourrait miner le diamant. Tu réponds pas, message, non, jamais. Fortune 2, rage in, tu me la prêtes, vite fait. Merci mon ami. Parfait. Donc, on va juste placer tout ce diamant-là, on va miner ça. Je réponds pas en message, c'est parce qu'en fait, on me spam beaucoup. T'as un truc que je débute. La fraise, là, c'est là, pas lui. Oh, sacrement. J'ai mis un N à la place d'un M, si je sais pas écrire. La fraise, je me fais spam MP. C'est difficile, tu disais. Tu veux pas un don? Message flash. Attends. Je suis full, les gars, j'ai pas de barre, j'ai rien. C'est la main seul truc ici, donc. Ça va être un peu chaud. Donc, on va essayer d'avoir le plus de diamants possible. Bon, après, c'est juste une fortune 2, donc. On va pas avoir énormément de diamants, mais. Au moins, on pourra pas se faire un peu plus de blocs de diamants, puis. Tu me passes ton Skype pour jouer à 2 live de petit point avec 1187 si tu veux m'ajouter. Si vous voulez m'ajouter, les amis, vous pouvez m'ajouter en no problemos avec ça. De toute façon, c'est un Skype. J'ai pas de Skype privé ou public, j'ai juste un Skype, c'est lui. So, si vous m'ajoutez, je vous accepte sans problème. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va crafter des blocs de diamants. Voilà. Ça nous fait 11 blocs de plus. Bien badass. On va juste lui redonner sa fortune. Voilà. Merci de l'emprunt. On va trouver de la cobblestone. En fait, on va miner de la cobblestone. Ok. Pourquoi tu fais ça? Avec fortune 2, ça va pas t'en donner le double, hein? Ok, on va prendre ça. On va aller miner du charbon après. Puis, on va avoir un four pour faire cuire notre... notre truc. Je vous reprends quand j'ai commencé à faire cuire tout ça. Ok les gars, il y a Flash Gun qui m'a donné une clé de random téléportation avec 9 blocs de charbon. Et il a trouvé un spawner à araignée aussi.
Je sais pas si on va être capable de le récupérer, je pense pas. Attends, on va essayer de le casser, voir. Ouais, effectivement, le propriétaire de ce spawner. Mais il y a personne qui est propriétaire de ce spawner parce qu'il appartient dans la map, en fond. Chelou. Mais, ok, d'accord. Donc, merci pour ton don, mon très cher ami. On se retrouve pour un autre séquence après. Ah, il essaie de me rattraper, les gars, mais je suis trop vite, je suis trop vite. Je suis trop vite. Allez, j'ai réussi. Hey, what's up l'internet? Kizox nous a donné plein d'obsidienne, plein de clés de Random TP, il nous a donné aussi TNT et tout ça. Donc un gros merci à vous les copains pour vos dons. Je vais prendre du charbon pour pouvoir faire cuire mon or et tout. Et puis après ça, je vais m'en aller faire cuire mon or. Sur ce, gens de l'internet, je vous reprends dans quelques instants. Les gars, il y a genre, je sais pas comment ça marche le système de kite genre. Oups, c'est pas ça que je vais faire, mais en gros genre, quand vous upgradez, ça prend une nouvelle kite et tout. Donc là, le but c'est de crafter une table d'enchant, fait que là on va la crafter. Ça va, oh, pas ça. Ça va nous prendre du diamant, un livre et de l'obsidienne qu'on a déjà, donc c'est parfait. On a tout ce que ça nous prend. C'est quand même cool parce que ça donne de l'argent en fond, puis l'argent c'est quand même bien pour. Voilà, j'ai terminé la quête. Ensuite, pour en faire plus, si on continue à faire slash kite, ça donne quoi? Tuer 20 zombies. Ok, si vous pensez que je tue des pigs zombies, ça va le faire ou pas? Je pense pas, mais on sait jamais. Ok, attendez. Je pense pas que ça marche. Hein. Non, je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche. Il faut que je trouve des zombies normales. À moins qu'il y ait des zombies normales dans ça, parce qu'il y en a des zombies verts et tout. Ça. Si j'essaie de taper juste les zombies normales, peut-être que ça va fonctionner. On va. Je vais essayer de trouver les zombies. J'ai bien pensé, les gars, on avait juste allé au Warp Farm en fait. Hein. Il y a des zombies là-bas, sûrement. Ou peut-être pas, il y a peut-être pas des zombies en vrai. Peut-être dans la Warp Farm pour les guerriers. Ouais, il y en a. On va pas lui voler ses zombies, on va quand même aller dans le coin ici. On est quand même pas des fils de pute. Donc faut juste attendre que ça spawn et puis on pourra avoir ça. C'est bon, j'ai fait la mission, j'ai reçu ça. Et à ma prochaine mission, c'est d'éliminer 500 obsidiennes. Donc qu'est-ce que je pensais faire en fait? C'est de poser l'obsidienne et la péter. Mais ça donne juste 500 piastres, donc ça vaut pas vraiment la peine de faire ça. Donc qu'est-ce que je pense que je vais faire? C'est que je vais aller vous faire un coffre caché. Là, vous allez me dire, ouais, pourquoi ils doivent cacher les coachs? Parce que pourquoi pas, les amis d'internet, pourquoi pas? On va prendre les potions, on va vous mettre. Ouais, vas-y, on va mettre un spawner pig zombie. On va mettre toute l'obsidienne ici, ça on va la donner à lui. On va lui donner les deux under chests. On va. Ok, tout ça est cuit, ça c'est le fun, ouais, ça c'était cuit. Parce que lui était AFK, fait que pendant que lui était AFK, tout ça a cuit. On va aller vendre un peu le truc ici. Et. Je pense qu'on va être bon, les amis. Hein. On va pouvoir faire aussi. Ah! Je pense qu'on peut faire ça. C'est tous les 7 jours. Ouais, voilà! On spawn. On va aller la faire. Donc, c'est tous les 7 jours qu'on peut la faire. C'est la clé gratuite. Donc, si vous savez pas, c'est. Faites slash cliff. Ou clé, whatever, comment vous dites en votre langage. Et ça vous téléporte. Ça vous téléporte ça. Ça vous donne une clé dans votre main. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Cliff disponible pour les donateurs, kite, pensez à prendre votre Epsi Gif. Ah oui, il va falloir prendre notre Epsi Gif après aussi les amis. C'est vrai, j'avais oublié. Let's go, en espérant, peu importe ce qu'on a là-dedans, je vous le mets dans le truc sauf les yeux de cri bien sûr. Spawner zombie. Bon ben, c'est bien ça les gars, vous allez avoir un spawner zombie, un spawner pig zombie, donc en vrai je pourrais peut-être attendre pour le pig zombie. Non, attendez, attendez, qu'est-ce que je... ouais, je sais pas. On va aller prendre notre gift, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Ça dit récompense en cours. Oh shit, peut-être que j'ai pas assez de place d'inventaire. What? What? Quoi? Ok. Ok, j'ai pris le random teleport, puis il y avait quelqu'un, les gars. Salut. Est-ce qu'ils vont le fight ou pas?
Non, 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 on va pas le fight. On va pas le fight. On va juste cacher le coffre. On va s'éloigner par là-bas. Je te vois. Tu veux mourir? On va juste le troll, ok? Gros, gros, gros! No way! Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a mis des coffres là. Imaginez, il y a du stuff, les gars. Oh! Ah non, c'est des coffres du Gival. C'est genre quelqu'un qui a mis ça le temps d'un Gival, sûrement. Parce que regardez, c'est marqué Gival. Ah, zut de flûte. Zut de flûte. Bon, ben, je vais aller sous terre cacher ces coffres-là. J'aime pas ça les mettre juste à la surface parce que, bon, vous savez, il y a pas mal de gens qui écrivent et qu'on est en un point, je sais pas combien, donc. On va descendre puis je vais aller cacher le coffre. Attends, ok, so, j'ai trouvé de la lave, les gars. Je suis arrivé par la grotte qui est là. J'ai trouvé de la lave ici. Puis là, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire. Peut-être mettre le coffre juste carrément dans la lave, en fait. Oh. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh, genre, je les récup. Ok, voilà. Comme ça. Puis là, on va mettre le spawner Apex Zombie en plein milieu. On va mettre deux clés de random téléport autour. Dans les quatre coins, on va mettre de l'obsidienne. Inquiétez-vous pas, on va rajouter d'autres trucs, hein. On va rajouter aussi. Le spawner zombie, je vais le garder là, pour l'instant. On va mettre dans un autre coffre caché plus tard. On va mettre aussi genre des blocs de diamants. Donc voilà, on va mettre une pump sheet, un love de creep, parce que je suis un peu pas radin aujourd'hui. Et on va mettre cette pioche-là. Je vais juste la fixer avant. Voilà. Et on va la fixer. On va aller chercher un seau après. Et on va aussi. Attendez. What the fuck? Pourquoi on fait pas juste ça comme ça, j'avoue. Hein? Celle-là, je pourrais la garder pour un prochain coffre caché. Ah oui, bonne idée ça. Bonne idée! Bonne idée, ça, Icons! Bonne idée, jeune homme! Ensuite, j'ai 60 trucs comme ça. Fait que si on divise par. Ça fait 15 partout. On va faire ça, plus ça. Et qu'est-ce que j'ai comme kit? Icon screen, s'il te plaît. Ok, si tu veux. On va mettre des potions pour quelqu'un qui veut aller PVP. Donc, potions, let's go. Des potions de heal. Moi, j'ai acheté tout le reste parce que, bien sûr, vous savez, je suis un Thug Life, les amis. Donc, voilà. On va juste peut-être enlever ça puis mettre 4, 4 comme ça. Et ça va être bon, je crois. On va jeter des diamants vu qu'on a un Thug Life. Jeter ça, jeter ça, jeter ça. Et garder tout ça pour faire le reste. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que c'est bon comme coffre caché? Il est sous la lave ici. Donc, les coordonnées sont 2407 et 2713 à la couche 13, à la couche 11. Faites attention quand vous descendez parce que c'est tout droit, ça va être dans la lave. Donc, ça va pas être trop Charlie. Sur ce, je vous reprends quand j'ai d'autres trucs intéressants à faire. À tout de suite. Ok, what's up les gars, pour terminer cet épisode 6 là, j'ai des clés. Donc, je vais faire un gros opening de caisse, le plus gros que j'ai jamais eu dans le fond sur Epsilon. Je pense pas qu'il y ait des gens qui ont ouvert autant de trucs. En gros, qu'est-ce qui va arriver avec tous les trucs que je veux gagner, c'est que je vais disperser dans plusieurs coffres. On va faire plusieurs coffres, puis je vais cacher plusieurs coffres dans la map. Et je vais vous donner toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un long épisode, c'est quand même le 6e épisode. J'adore la série sur ce serveur-là. Par exemple, j'ai quitté la Hornet, j'avais déjà la Hornet, mais finalement, bon, ils voulaient pas me TP où qu'il y avait les spawners, etc. Où je pourrais rajouter mes 4 spawners, mes 3 spawners, vu que celui-là, c'est pour dans un coffre caché. Mais j'ai 3 de ces spawners-là. Parce que le dernier, vous vous souvenez, ben, dans le coffre caché juste avant, dans le fond, j'ai mis un des pigs zombies que l'abonné m'avait donné. Je pense pas que ça le dérange, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut gagner? On peut gagner un spawner à gaz, spawner à zombies. Ben, un item légendaire, ça serait vraiment OP d'en avoir un, en fait. Un gaz aussi, ça serait vraiment bon. Punch it, bof. Le reste, bon, voilà, c'est pas super bon. Puis, on a 15 diamants. Les diamants, ils nous donnent spawner à golem, ça serait vraiment, vraiment bon. Éponge, qui est aussi vraiment bon. Pump cheat, qui est vraiment bon. Œuf de creep, qui est bon aussi. TNT, under chest, full P2. Et le reste, tout ça ici, c'est pas bon. Mais toutes les quatre premiers, c'est vraiment bon. Donc, je conseille qu'on commence par
Les diamants, tout de suite, je sais que ça va être long, là, cette vidéo-là, les amis, je suis désolé, mais voilà, j'ai eu l'idée de faire ça, puis je pense que c'est une bonne idée pour vous faire gagner des items, etc. Parce qu'il y en a qui viennent de commencer, en entre vous, il y en a qui join le serveur et qui viennent de commencer, donc je pense que ça pourrait être intéressant que vous ayez du stuff. Si jamais vous connectez, vous venez juste de vous connecter, vous réussissez à récupérer un coffre caché, c'est sûr que c'est plus intéressant pour vous. D'ailleurs, comme j'ai dit, il y en aura plusieurs. Il suffira juste d'avoir une clé de random téléportation, parce que j'utilise tout le temps le système de random téléportation pour pouvoir avoir accès au coffre, etc. Donc là, on n'est pas tellement chanceux, hein. Il y a un abonné qui nous a drop une pump cheat. Merci, gros, ça fait plaisir. Donc, tu veux que je te recrute? Non, pour l'instant, je recherche pas de faction. On est vraiment pas chanceux, gros. C'est ouf, hein. Vraiment pas chanceux. On va ouvrir un autre comme ça, puis on va directement passer à l'émeraude, les gars. On va ouvrir genre 5 émeraudes. Parce que là, je vois qu'on est vraiment pas chanceux. Ouais, on est vraiment pas chanceux, les gars. Ça va vraiment pas être doux. Vraiment du bon, des bons trucs que vous allez recevoir si je continue à unbox de la merde. Donc, let's go. Faut unbox quelque chose de mieux ici, les amis. Un full P4, ce serait pas mal aussi. Ah, ben 3 pump cheat. Let's go. Let's go. Let's go, on en ouvre 5, on va rouvrir les 5 autres, on va terminer par les... let's go, oh! Oh, spawner zombie, ça fait 2 ça. Let's go. Vous avez reçu un spawner zombie? Merci, monsieur la console. Oh! Un autre spawner zombie, let's go, motherfuckers, let's go! La chance est avec nous, mesdames et messieurs, pour cette caisse. Ben voyons donc! Là, ben voyons donc. Si on en a un quatrième de suite, là, what the fuck? Un beacon. Ok. J'allais dire, like, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? What the fuck? Ah, je voulais les œufs de creep. Je voulais les œufs de creeper. Ils vont essayer de remplir mon inventaire à ce que j'ai vu parce qu'ils veulent que récupérer les loot. Mais ils savent pas que les loot de base sont pour eux. Ah, une pioche enchantée. J'aurais préféré avoir un P2 parce que en ayant un P2, on aurait pu fusionner. Ça aurait été un petit peu mieux. Mais là, on a quand même 3 pioches cheat de merde. Il faudra avoir un spawner. Oui, 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 les gars. Spawner à golem, les gars. Pour vous, les gars. Il est à vous. Oh my god, c'est dommage. J'aurais aimé ça que ce soit dans l'unboxing que j'ai fait hier ou avant-hier. Je sais plus c'est quand j'ai fait un unboxing. Mais oh, j'aurais aimé ça l'avoir pour moi, les gars. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais quand même vous le mettre. Je suis un homme de parole. J'ai dit que j'allais le mettre. Je vais le mettre, les amis. Inquiétez-vous pas. Je suis pas un fils de pute. Ben, j'en suis un, mais voilà quoi. Vous comprenez? Attendez, on va ouvrir deux autres trucs comme ça. Tu vends tes spawners zombies. Non, je les mets dans un coffre caché, mon pote. Désolé. Donc, let's go. Non. Oh, je pensais qu'on allait avoir le truc perdu. J'étais genre, non. On va ouvrir ok, on ouvre juste celle-là. Puis après ça, on va ouvrir les 5 dernières. Puis on va terminer par les 3 émeraudes qui nous restent. Non. Ouf. Je pensais qu'on allait avoir encore le... J'ai jamais eu le truc perdu, en vrai, hein. Si on regarde depuis le début, là, j'ai jamais eu le truc... Le truc éclair, genre, il est revenu, lui. Je pensais qu'il était mort. Ah, pioche enchantée, c'est plate ça qu'on a des trucs de merde comme ça. Genre, on a eu un spawner à golem, on peut pas se plaindre. Quand même, le spawner à golem, ça vaut tout. Peu importe tout ce qu'on unbox, ça vaut vraiment le coup. Éponge! Ben tabarnak, ça c'est un autre aussi, une rare. Je pense que c'est rare ça aussi. Ouais, c'est 2%. What the fuck? What the hell? On est bien chanceux. Bon, on a eu plein de pioches enchantées. J'essaierai de vous les fusionner, les gars, quand même. Hein. Je vais pas vous laisser ça comme ça. Mais on va juste s'éloigner pour que les gens puissent s'éloigner, qu'on puisse ouvrir la classe tranquillement. Avez-vous ma technique qui marche de ouf? J'ai amené tout le monde là-bas, genre pour rien. Oh my god. Ah, oh, une autre pioche enchantée. Bon, ben, la dernière clé, les amis. Let's motherfucking go. Après ça, faudrait peut-être aller se vider un peu. J'ai pas vraiment de coffre. J'ai juste une base d'Execlair, Ankuno, puis tout. Oh, œuf de Creeplease. Oh, TNT. C'est pas fait longtemps. Il y a genre une base, genre, ben, la base avec les pics zombies que j'ai montré juste avant, dans le fond. Il y a Execlair, il y a moi, il y a Ankuno Maskill, plus le gars qui nous a TP là, dans le fond, qui a la base. Donc, c'est pas un zombie, les gars. On est rendu à 4. Let's go. Je vais en mettre dans chaque coffre différent quand même. Hein. Je suis pas un PD quand même. Je suis gentil.
Spawn un zombie encore. Let's go. Calice, ok. What the fuck? Dernière clé, les gars. Un beacon. Même pas, je voulais le beacon. Non! Fuck, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, les gars, en espérant. Bah, on a quand même eu des fucking de bons loot, en vrai, hein. On a quand même eu des bons loot, donc on va juste loot les pioches ici au spawn parce que bon. On va pas se cacher, les gars, j'ai pas vraiment le goût de fusionner tout ça. Après ça, le P2, ça par exemple, je vais le fusionner. Ça, c'est important à fusionner. Ensuite, le spawner à golem et les 5 spawners de zombies, je vais vous mettre ça là-dedans pour l'instant pour pas mourir avec. L'éponge, ça va aller dans un coffre pour vous. Ensuite, il y a une pump cheat que l'abonné m'a donné et les 6 autres sont à vous. Donc, ça, on va mettre ça là parce que j'ai déjà pas beaucoup de pump cheat. 8 blocs de diamants. Donc, ça, on va mettre ça là aussi. Les 18 blocs de diamants, on va les drop. La TNT, on va drop. Le beacon, on va mettre. Et puis, on va drop ça plus ça. Et on va drop des pommes. Et puis j'ai-tu mes kits? J'ai mon kit donateur que je vais drop à un d'entre eux. Tac, 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 boom. Et deux pommes cheat, deux jeux de clés. Puis ça, par exemple, on va garder, mes amis, parce que c'est intéressant. Donc, je vais aller faire des coffres cachés. Ça me prend juste des clés de random téléportation. Comment on en a des clés de random téléportation, ces clés? Ok, parfait. Je vais aller essayer de trouver. Je vais aller à ma petite base de pig zombie. Où est-ce que j'ai une base avec les autres? Tu vois, t'es spawner un golem. Non, c'est pour donner au. Au abo fidèle. Donc, y a-tu besoin vraiment d'un bon spawner un zombie? Parce que je check. Genre, regardez. Je vais faire un geste de gentillesse. TP, je te donne. S'il me trappe, par exemple, je vais être un peu triste. Mais bon, voilà. Tiens, cadeau. Slashback. Ouh, belle base. Ouh. Ok, voilà. Donc, on a fait un geste de bienfaisance. Là, on va se crafter des coffres. Y a-t-il du bois ici? Je pense pas. Bon, je vais aller chercher du bois et tout ça. Puis, je vais faire des coffres. Je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dedans. Ok, so, j'ai 4 coffres. Et j'ai 5 spawners à zombies, donc je vais en garder un pour moi. Dans chaque coffre, on va mettre un spawner à zombies. Ça, on va le garder pour nous. On va le donner à un abonné, c'est vous. On va le donner à un abonné. Ensuite, on va avoir... On a 2 P2. Ok, super. On a une pièce de P3 que ça ne me dérange pas de donner. Tout ça, ça ne me dérange pas. 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 Mais je me sens mal de laisser un truc comme ça sur le... Je vais mettre un pig zombie. Donc, chaque truc aura un zombie, un truc cheaté. Donc, attendez. Premier coffre, par exemple, on va mettre, exemple, le zombie au plein milieu, dans chaque coffre. Donc, voilà. Comment qu'il va arriver? Je vais demander à Kebab de les cacher, je pense, parce que comme ça, ben, genre, ouais, voilà, quoi. Je vais demander à Kebab de les cacher, puis je vous mettrai les coordonnées dans la description. Dans les commentaires, savez-vous quoi? Je vais mettre les dans les commentaires. Je vais attendre que la vidéo aille X pouces bleus. On décidera après avec Kebab. Genre, je vais aller vite fait parler avec Kebab. Puis, genre... Je vais vous révoiler les coordonnées après, ok. Donc, on va mettre ça là pour celui-là. On va mettre un autre full P2 ici pour celui-là. J'ai pas gagné de super bons trucs quand même. Hein. Et là, c'est ceux-ci qui ont pas d'armure. Donc, celui-là, on va mettre ce genre-là avec un beacon. Et un bloc de diamant. Puis, une pump sheet. Tiens. Comme ça, on va mettre ça. C'est quand même pas super bon. On pourrait mettre plus de blocs de diamant, par exemple. Hein. On pourrait en mettre 4, voilà. Et là, lui, on va mettre 4, on va mettre une pump sheet, et on va mettre... c'est tout, right? Attends, non. On va mettre plus de pump sheet d'abord. Voilà, et là, il nous reste 3 items rares, plus 2 items rares. Attends. Oh my god, je sais pas comment faire ça, les boys. Je sais pas comment faire ça. Okay. Celui-là, il est vraiment moins bon que les autres. Attendez, il faut que je trouve un kit ou quelque chose qui me donne un P2. Je pense que le dieu me donne un P2, non? Full P1, bon. C'est mieux que rien, les gars. C'est mieux que rien. Je suis désolé. Au pire, tu sais quoi? Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre... tiens. Je vais mettre ça ici. Donc, 2 œufs d'écrit. Puis là, il nous reste 4 trucs cheatés pour chacun des coffres. Donc, au hasard. Mi, ni, ma, ni, mo. Pichi, pichi, pachi, po. Pidgey, bidgey, badgey, bo. Ma petite vache à monopathe. Bon, vous avez compris. Ce coffre-là, je mets ça. Donc, lui aura un Iron Golem. Lui aura ça. C'est un pig zombie. Lui aura ça. Et lui aura 6 punchy. Donc, voilà. Ça va être ça. Ça va être ça. Puis, ouais, enfin, vous avez compris le principe des coffres. Je vais demander à notre ami Kebab de l'internet. Je veux dire, qui veut un spawner à zombie? TPA. Faos. Faos.
l'épée, moi. Je vais lui donner avec l'épée Sharpness 1. En espérant qu'il accepte, bien sûr. Donc, spawner un zombie, plus ça, plus des patates, plus la pioche. Merci à toi d'avoir participé à ma question qui était très, très, très cool. J'ai un don. Non, c'est moi qui t'ai fait un don cette fois. Donc, je vais aller cacher ces coffres-là, les gars, en espérant que personne me trouve. Et je retrouve tout de suite. Ok, les gars, ça marchera pas notre plan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va. On va les cacher nous-mêmes. Ah, ça fait chier parce que Kebab en fait il répond pas sur Skype en fait les amis. Et c'est comme un petit problème vu qu'il est 6h du matin puis je vais aller me coucher puis je serai pas là comme je dis pendant quelques jours. Sur cette vidéo là va sortir dans plusieurs jours peut-être pour vous. Donc j'ai deux clés de Réotam de téléportation. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire deux coffres j'imagine, je sais pas. Comment vous voulez qu'on fasse ça? Je sais pas trop, mais je vais vous drop les coordonnées directement. Donc voilà, j'avais une bonne idée, j'avais des bonnes idées, mais bon, ça marche pas. Parce que Kebab est pas là. So, on a 4 spawners, je vais en mettre seulement 2, puis je vais faire la même chose que j'ai fait tantôt. Je vais me téléporter à des gens, premier qui va répondre à ma question. Et en espérant que ça lui fasse plaisir, quoi. Je veux dire, c'est le but, quoi, de faire plaisir aux gens. What the fuck, t'es-tu sérieux, là? Blame le nacé, en gros. Really, nigga? Ok, par là. What the fuck? Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Ok. Qui veut 0€? Ok, what the fuck? Ça, c'est des spam waves. Tu devrais être banni le Arcos pour ça. C'est des spam waves qui sont pas très matures. Donc, je te souhaite de mourir en paix. Le premier qui dit pute gagne 1 P4. Non, ça, il va juste mute. Ah, voilà, je sais pas, je pensais. Tu vois, ça c'est pas mature. Ça c'est vraiment pas mature. J'espère que tu vas être en rank, mec. Sincèrement, cordialement, Icons. Donc, je vais mettre le coffre ici. Donc, on va y cacher à l'intérieur, les amis, de ce coffre. Nous allons y cacher 2 œufs de creeper. Boom. Nous allons cacher un spawner d'Aran Golem. Nous allons cacher un spawner de zombies. Attendez. Ouais. Un spawner de zombies, peut-être? Non. Attendez. Non, les 4 zombies, on va les donner. Ensuite, on va mettre un full P2. Avec des zombies à P3. Donc, on va mettre un full P2 là. Voilà. On va ensuite mettre 3 pump cheats ici. Voilà. On va garder une pump cheat. On va mettre 3 dans l'autre coffre. On va mettre aussi... On a mis le truc là, le rare. Donc, on va terminer en bas avec des blocs de diamants. Et on va mettre... pourquoi pas un beacon, tiens. Voilà. Un beacon comme ça fait sexy, je trouve. Vous trouvez pas que ça fait sexy? Moi, je trouve que oui. Je lag d'un coup, je sais pas pourquoi. Boom. On cache là. Et je vais réutiliser la clé de random téléportation pour la deuxième. Fait qu'on fait slash spawn. Les coordonnées, les amis, c'est moins 2430 et moins 4631. Bonne chance pour venir les trouver. Vous avez pas eu le temps beaucoup de voir. Donc, en espérant que vous allez... Ouh, biome de neige. Non! Oh, shit, je pensais que j'allais mourir. J'allais dire, oh non, zut de flûte. Nous sommes dans l'embarras genre d'internet, mais non. Donc, je vais juste m'éloigner un petit peu à quand ta prochaine vidéo. Dans exactement 6 minutes. Non, je rigole, dans une heure, mec. Dans une heure. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va mettre le Iron Golem. On va mettre le Full P2 comme j'ai fait sur l'autre. On va mettre ensuite l'éponge au-dessus ici. On va mettre 4 blocs de diamants de chaque côté. On va mettre une pump cheat ici. Pump cheat ici. Boom, bada boom. On va mettre aussi... on va mettre ça comme ça. Ça fait vous faire un speak zombie, etc. Puis moi, il me reste un iron golem, un gas. Il me reste tout ça, moi, personnellement. Plus un P1. Bon, je vais vous mettre le P1 dedans, là. Même si, bon, je sais que vous allez sûrement pas l'utiliser. C'est juste que je sais pas pourquoi, mais je l'ai sur moi, donc. Voilà. On va remonter avec ça, puis je vais me téléporter à 4 personnes aléatoirement et leur donner un spawner à zombie. Qui veut un spawner à zombie? TPA, le premier qui le dit. Ok, Zerko. Zerko, TP moi. Zerko, arrête de bouger! Bouge pas! Mais oui, mais... Si tu bouges, tu l'auras pas ton esti de spawner. Attendez. Qui... Ok, mais là, les gens, ils spam. Oh, je vais attendre un petit peu, les gars, puis je vous reprends juste à temps. Oh mon dieu, les gars, je suis tellement cave. Je viens de réaliser que dans le deuxième coffre, j'ai pas montré les coordonnées. Enfin, je me souviens pas si j'ai montré les coordonnées.
Oh mon dieu. Là, j'ai aucune façon d'y retourner là-bas. Donc, il y a un coffre avec un spawner à un pig zombie qui est caché quelque part. Ben, vous m'avez vu où je l'ai placé. Donc, essayez de prendre des clés de random TP et puis le trouver. Ça va être un petit peu plus difficile, je sais, mais il va être quand même trouvable. Je pense que si vous prenez des clés, vous avez vu le chemin que j'ai pris. J'ai vraiment oublié de vous montrer les coordonnées. Je suis vraiment, vraiment désolé. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Venez voir le serveur Epsilon. C'est le serveur PvP Faction Crack On. C'est un peu le système de Farm to Win. C'est vraiment Farm to Win. Vous pouvez acheter les kits et tout en jeu avec la commande Buy Kit normalement. Vous pouvez acheter toutes les kits, etc. en jeu. Vous avez plusieurs autres trucs qui est intéressant sur le serveur. Donc le système de kite. Je vous ai montré aussi dans l'épisode. Il y a aussi. Qu'est-ce que je vous ai montré? Ben le système de jackpot, quoi, les CF, quoi, les coinflip comme normalement. On pourrait terminer avec un CF en vrai. Balle, on a combien d'argent? CF create 1400 tails. Go join mon CF vite fait. On va terminer là-dessus. J'espère sincèrement, les amis, que les vidéos sur Epsilon MC vous font plaisir. Comme moi, j'adore les réactions. Je vous dis, je me connecte. Il est en ce moment, il est 6h du matin. Je me suis connecté. J'étais vraiment content de faire la vidéo. C'est ce que j'aime faire, des vidéos, les amis. Puis ça me fait super plaisir d'en faire justement avec vous. Donc, est-ce qu'on va doubler ou pas? On double ou pas? 2800. Go join mon CF. Ok, on va voir si quelqu'un va join. On va faire un dernier, les gars. C'est tellement addictif, ce genre d'affaire-là, les gars. T'en fais un, après ça, tu gagnes, tu vas en refaire un autre. Là, si j'en gagne, je vais vouloir en faire un autre. Mais bon, faut que je m'arrête au bout d'un moment. Mais sinon, un gros merci à tout le monde qui était là aujourd'hui. Ça fait super, super, super. Est-ce qu'on en fait un autre? Ouais, let's go, on en fait un autre. 5600. Tell, go join mon CF. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a assez. Franchement, parce que. Ah, peut-être qu'il y a des gens qui vont le join. Bref, comme j'essaie de vous dire, merci. Merci du plus profond du cœur à chaque personne qui m'ont supporté sur ma série sur Epsilon. Chaque personne qui laisse un commentaire, qui laisse un j'aime, ça me fait super plaisir. Sincèrement, je sais pas comment vous remercier ma chaîne YouTube. Mais tellement grandi vite dernièrement, genre, c'est un truc de malade. Je sais que je suis un peu sentimental à la fin, mais genre. Vous réalisez pas, dans les 30 derniers jours, on a eu 2500 abonnés de plus à la chaîne YouTube. C'est juste quelque chose de malade que jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu arriver. Puis je voulais vous remercier. Donc, personne pour mon CF. Donc, juste attendre vite fait. Peut-être que je vais regarder si y a quelqu'un qui join. Puis sinon, j'attends. Puis je vous reprends. Il y a justement quelqu'un qui a join. Il y a quelqu'un qui me spammait fils de pute, je sais pas pourquoi. Alors, mais il y a quelqu'un qui m'a insulté de fils de pute. Et là, on va tout perdre, les amis, c'est prêt dans 3, 2, 1. Voilà, je vous l'avais dit, les amis. Regardez, il m'insulte de fils de pute. Pourquoi? Pourquoi? J'ai fait quoi? What? Tiger. I confirm. Là, tu te fais give. Ok, il y en a qui sont fâchés. On peut témoigner qu'il y en a qui sont plutôt énervés. Donc voilà. Sur ce, gens de l'internet, je me suis jamais fait give à part dans les clés. Hein. Je vous dis franchement, je me suis jamais fait give à part dans les clés. Donc je suis désolé que je me suis fait give des clés. Quoi. C'était un undertaking. C'était rigolo. On a ouvert des clés ensemble. En plus, je vous ai tout donné, mec. Je veux dire, il n'y a rien que j'ai gardé dans tout ça. Là, à part les pioches que j'ai lancées au spawn aussi. Mais bon, ça, voilà quoi. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez plus. C'est quoi, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Je vous aime, c'est Tycon. Peace!